Dia, bonsoir oui. Dia. Oui. Voilà. Oui. Et j'ai l'impression que en fait, tous les persos, dans leur forme finale, ont une espèce de délire angélique. Ouais, 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 il y a des ailes, ça fait cucu, ouais. Ça fait cucu les petits oiseaux, tout à fait. Donc, écoutez, on est parti pour une aventure, je sais pas à quoi ça va ressembler. Est-ce que tu as une idée de comment le jeu se construit? Parce que ça me fait un peu penser à Magica, mais... De toute façon, la caméra, tout ça, on va vite la voir. Hein. C'est assez semblable, en effet, à Magica, avec une caméra vue de dessus. On va lancer des sorts. Il va y avoir des coups qu'on va se porter les uns aux autres et on va chialer à cause de ça. Donc, globalement, il y a tout cet aspect-là. Par contre, après, c'est tout l'aspect progression. Faudra qu'on teste. Il est possible, je dis bien, il est possible, ce ne sont que des spéculations, qu'il y a un aspect roguelite. Avec le fait de débloquer du stuff pour les différents persos, voire des nouveaux persos, et de devoir du coup enchaîner des runs jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'à la fin du monde. Alors si tu vois un petit peu comment c'est construit, alors du coup on en parlait juste avant de rec, mais du coup donc il y a normalement 9 personnages dérivés en 4 versions qui ont l'air d'évoluer, parce que même si on les voit qu'en aspect, on sent qu'il y a un truc notamment avec les ailes qui font cucu. Et en fait si tu regardes en dessous, alors tu l'as peut-être vu tout à l'heure, t'appuies sur entrée et en fait il t'explique comment déverrouiller la forme, et en l'occurrence il faut réaliser des défis pour chaque forme. Par exemple, si je prends le cas type du personnage de base et que je prends sa forme numéro 2, alors du coup, ils te disent qu'il faut obtenir 3 succès. En l'occurrence, obtenir un chapeau. On va peut-être pouvoir dès que tu vas choisir un perso, tu vas pouvoir choisir ensuite un bâton, un chapeau, des trucs comme ça. Voilà, c'est ça. Et en fait, ils t'expliquent que chaque forme finale, il faut terminer une espèce de grosse quête qui apparemment... j'allais dire tout le temps la même, mais pas forcément. Terminer la quête de l'épreuve du feu en mode de difficulté extrême. Incroyable, incroyable. Ouais, ça, je pense qu'après, les formes finales, du coup, vu que c'est des modes de difficulté, des trucs comme ça qu'il faut faire, c'est limite plus pour la rejouabilité qu'autre chose. Ouais, c'est ça. Bon, bah, là écoute, où, pour peu qu'on one-shot pas le jeu, on va peut-être débloquer déjà des choses de base. On verra bien. Moi, je vais partir sur Madame. Alors, du coup, je serai Yislan Dal Kazma. Et seras... félicitations. Cornelius. Crown Dia, c'est ça? Diastide. Eh ben, écoute. Ah oui, là, derrière, t'as les... T'as du stuff. Mais... On a rien pour le moment, quoi. Derrière, t'as du stuff. Une fois que t'as choisi ton perso, t'as une première grille avec du stuff et une deuxième grille avec du stuff. Oh. Mais attends, c'est que des chapeaux. Alors pour le moment, le premier c'est des chapeaux, le deuxième c'est des bâtons. Oh, incroyable. Alors la question c'est, est-ce que ce n'est que esthétique ou est-ce que ça apporte quelque chose? Bah, je pense qu'il va falloir qu'on en débloque pour savoir. Ah, c'est chiant par contre de ne rien avoir. Je me sens nu. Ah oui, mais en même temps, on vient de naître. Cette aventure, tout à fait. Eh bah écoutez, messieurs, dames, partons et... Ah, j'allais dire, voyons comment ça se passe. Bah apparemment, ça déboule de suite. Donc, l'examen de sorcellerie. Okay. Il y a un livre. Alors du coup, c'est par les papas qui ont fait Trine, c'est ça, hein, c'est le même studio. Ouais, au niveau de l'équipe, je peux pas dire, mais au niveau du studio, c'est Frozen Byte. Ok. Wouah. Incroyable. Alors, je sais pas si t'as vu, mais pour changer ses sorts, du coup, c'est AE. Hein. AE. Eh, j'ai eu un truc sur ma tête. Quoi? Comment t'as fait? Je sais pas, mais je pense que tu m'as touché avec un truc. Ah? Ouais, ça fait mal, ouais. Excuse-moi. Ouais. Eh, t'as remarqué? Ça commence. J'ai l'impression que c'est exactement le même. C'est peut-être le même univers, hein. Ouais, c'est le même télescope que comment il s'appelle, le mage dans Trine, justement. Je sais plus, il a un nom accouché dehors, hein, comme tous les mages. C'est Tidus, hein. Non, c'est pas Tidus. Tidus, c'est le chevalier. C'est Van Kazma Airlight. Non, je sais plus. mais je te promets, je crois que c'est le même univers incroyable. Il est dans un bundle sur Steam pour les gens qui n'ont pas encore Trine, qui s'appelle le Trineverse ou un truc comme ça, où il y a ce jeu-là plus les différents Trine. Ah ouais, incroyable. Les sorts d'éléments opposés sont vulnérables l'un à l'autre. Le feu à la glace, la magie noire et les soins, les foudres et la vapeur. D'accord. Donc ça voudrait dire qu'il faudra faire attention à tout ce bordel. Alors, comment le dire, hein, ça fonctionne sur une base de Magica. Si vous connaissez le jeu, si vous y avez joué, en gros, le principe, c'est nous sommes des mages qui allons pouvoir combiner des sorts et modifier... Si tu viens là, que t'appuies sur E, il se passe des trucs. Ah ouais, des choses incroyables. Wouah, incroyable. Il y a des points. Avec les points, on achète des trucs. Ouais, mais avec des trucs, on n'achète pas des points. Et on n'a pas de trucs pour des points, là. Ouais, à mon avis, il va falloir qu'on... Généralement, pour avoir des points, il faut buter des choses. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'on est dans je connais les jeux vidéo. Je connais les jeux vidéo. Je suis une pro gamer. Incredible. Une fois par niveau, une dernière chance vous est accordée.
Bah tu soignes aussi, mec. Alors est-ce que je te soins là? Bah vu que je suis full life, non, mais sans doute. Ah bah alors attends. Oui, oui, tu me soignes, arrête. Yes, aïe. Yes. Non mais écoute... Si tous les élèves se font tuer, l'un d'eux sera ressuscité au hasard. Ça fait tellement mal, mec. Une fois parmi vous, la dernière chance, vous êtes accordé. C'est... Ah. L'un d'eux sera ressuscité au hasard. Ok, très bien. Eh bah écoute... Boule de feu. Oh, vous faites des sauts. Incroyable. Ah bon? Ah oui. Ah oui, oh, on s'y attend pas avec ce genre de caméra. Mais oui, de ouf. Parce que moi, quand je pense à des jeux comme ça, je pense à des hack and slash, tu vois. Et genre, ah oui, mais il lève les bras. Il lève les bras, il a un crâne sur la tête. Je peux lancer ça. Incroyable, c'est RP2. Ah bon? Ouais, quand tu penses hack and slash, tu penses destruction, tu penses combat de masse. Ah bah tu penses un seul axe, quoi. Ouais, c'est ça. Tu penses pas profondeur. Incroyable. Oh là là, incroyable, yeah, phénoménal. Nous sommes trop balèzes. Ah bon? Oh, un balai. Et babidi babidi. Téléportation est une puissante aptitude. Appuyez sur flèche du haut pour attraper un balai. Vraiment, flèche du haut? Vraiment qu'on aille chercher une touche aussi loin? Attends, moi flèche du haut ça fait pas ça. Hein. Moi flèche du haut ça me dit. Voilà, ça me permet de dire ouais, d'attendre c'est ça, mon sbire. C'est juste pour blablater en fait. La téléportation est une puissante aptitude d'utiliser la flèche du haut pour attraper le balai. Wait please. Ah, c'est pas pour dire genre. Attends! Wait please. Salaud! Et ça c'est quoi? Une fresque largement exagérée. D'accord. Ah oui, c'est pour décrire le alors, décor. C'est pas Tidus du coup, hein. ce n'est pas le mage. Ouvrez le menu équipement avec Tab. Je trouve le jeu magnifique par contre. Vraiment, la DA est splendide. Ah oui, avec Tab, on retrouve, si tu cliques sur la petite étoile, le truc avec les compétences, le menu, et après il y a les chapeaux et les bâtons. Oh my god. Attends, qu'est-ce que tu m'as dit d'appuyer? Étoile? Tab. Ah, Tab. Ah oui, ok, d'accord. Ah non, mais la flèche. On est débile, la flèche. C'est mage. Flèche, sur un clavier. Appuie oh sur mage. On est des gogoles. On est des gogoles de niveau sup. Oh, j'aime bien ça. Oh, c'était ça, pas clair. Voilà. Voilà, on a chopé incroyable le bâton. Entre le balai. Vous n'aviez pas dormi pendant ce coup, vous sauriez peut-être de quoi faire. D'accord. Et du coup, maintenant, si tu fais Tab, on a le balai enchanté de Nîmes dans les bâtons. Parce qu'on l'a chopé. Oh. 50% de chance de 30 points de dégâts de vapeur en mêlée. Et les attaques ah de mêlée. Donc le matos apporte quelque chose. Oui. Y'a des attaques de mêlée du coup? Bah, je sais pas. Oh, oui! Clic droit! Oh! Aïe! Mais non! C'est fou d'œil! Ah, et tu subis moins de dégâts pendant 4 secondes une fois que tu t'es téléporté avec ce bâton. Yes, je dis oui! Bonjour à tous les guests, maintenant rejoignez, bienvenue, on est sur Nine Parchment avec Dia, et ça a l'air rigolo! Parce qu'on a des trucs quand on casse des machins. Les machins et les bidules nous apportent des trucs! Ah, c'est ça, éliminez 4 cibles de votre choix. Ok, et moi j'ai pas le droit d'essayer, c'est ça? Oh! Tiens. La place est là! Ah non! C'est pas de la cuisine! Je vais mourir! Ah, alors attends, qu'est-ce qui se passe? Je veux le savoir! Non! Non! Qu'est-ce qui se passe? Ah. Si tu meurs, voyons voir. Tu revis. J'ai décidé. De Johnny Hallyday. Ah mon dieu! Ok, non mais c'est. Au moins on sait quoi ça. Oh, regarde là-bas! Y'a un dragon! Oh, j'avoue! Pas choper. Oh, ça fait une petite AOE la boule de feu si je suis trop proche. On est ah, mais c'est vrai qu'on peut sauter. Ouais, de ouf. Ah, fais gaffe, il s'est retourné. Hein. Fais gaffe, là il va te buter, mec. Non, non, non. Ah, non, il s'est fait nettoyer. Il en a rien à secouer en fait. T'as fait les poussières du dragon. Ah, toi, il est mort chez toi? Ah, non, il vit sa vie. Parce que j'allais dire, moi, il s'en bat la race. Hein. Vous pouvez réorganiser l'ordre des sorts de la roue des sorts dans le menu options. Oh, ça va, vu qu'il n'y a que 3 sorts, de toute façon, surtout, l'ordre il est vidu. Hein, c'est... Mec, tu vas dans options, vas-y, flemme. C'est j'ai une molette, hein, sinon. Ouais, c'est ça, à partir de ça. Parce qu'avec molette, tu peux les tourner. Mais... Ouais, t'en fais ce que tu veux. Bonsoir. Ouais, j'en fais ce que je veux, ouais. Personnage... Quoi? Vous pouvez attends, battre à main nue, ouais, ça tu as déjà vu. Trouver un bâton et accomplir sa quête de début. D'accord, donc il y aura des mini-épreuves pour avoir des persos, incroyable. Il y en a en jeu, on évoque des choses. Les coffres cachés. On part sur un 100%. On enferme des chapeaux. Ah, donc les chapeaux, c'est dans les coffres. On recharge son propre camp, maintenant. Ok. Les chapeaux, c'est dans les coffres. Ouais, wow, on vient d'avoir... On a le chapeau magique. Ouais, incroyable. Non, pas du tout. Ah oui, mais si, on en a la coiffe de cuivre. Richement décorée de fils de cuivre. C'est le chapeau dans... Voilà, ça, là j'ai une ampoule sur la tête. C'est le chapeau des mages rouges dans Final Fantasy. Ah mais toi, t'as eu un autre chapeau, toi. Moi, j'ai une ampoule. On n'a pas eu le même. Ah, donc il y a un drop aléatoire ou c'est en fonction des persos? Je sais pas, Rigofen. Non, attends, les chapeaux, par contre, ça a l'air full décoration. Mec, j'ai le chapeau de Cornelius. Cornelius, c'est le mage d'Entraine, en fait. Je cherchais son nom, je crois que c'est Cornelius. Il est pas bleu, Cornelius? Si, mais je l'ai en dérivé, genre il est en rouge, en bleu, en vert.
Oui, bah, tu l'as acheté dans une grande surface, quoi, chez Walmart. Oui, bah, écoute, eh, c'était la connexion Cornelius d'été, rougeoyant. C'est la connexion été. Oh merde. Est-ce qu'on peut voler des fioles? Amadeus. De quoi? Amadeus. Amadeus, bah, ah, merci. Ça me parle comme nom. Oh, c'est un nom utilisé dans différentes fictions. Je veux bien que tu regardes Cornelius parce que ça parle. Ah, attends, on marque la caméra. Bonsoir. Nous sommes de bons élèves. Oui. Et attendons patiemment le cours de l'élève. Du ah oui. Oh, cette beubare. Ah, la musique qui dit non. Non, mange pas de sa beubare d'ailleurs. C'est de la beubare ma papa. J'avoue. Ah, c'est lui, Cornelius ? D'accord. Ah, c'est pour ça, Cornelius, ça me parlait en fait, Julia, c'est ton personnage. Ah, bah oui. La mémoire de poisson rouge. Pas de ouf. Je m'appelle comment ? Tu t'appelles Dia. Non, tu t'appelles Gilles. So the Astral Academy's mystical spell parchments were scattered into the faraway corners of the world. Alors, pour des mages, honnêtement, c'est un peu concombre de les perdre comme ça. The clever young student saw an opportunity for some illicit hands-on studying. Ça valait le coup qu'on entrepose tout, quoi. Et en fait, tous les persos qu'on voit là, c'est des persos qui sont jouables. Ouais, ils sont dans l'illustration de début, donc je pense que ça doit être les autres. Oh, de l'XP. Niveau j'ai 61 terminé. Points d'XP. Où c'est que tu vois ça? J'ai un écran niveau terminé. Et ouais, il y a aussi, marqué niveau pas... 1 avec une barre 61 sur 1000. Sort ah préféré, oui, pardon, boule aussi, de feu. J'ai une mort déjà. Ça m'en content. Ça veut dire quoi? Ah mais oui.